Diguinchon. Chère population de la Casamance, chers militants, sympathisants, chère population de Diguinchon, de Adéan, de Niagis, de Koutoupa, Kamarakunda, de Enampor, de Niag, de Niassia, chers amis ici présents, merci pour votre accueil si chaleureux. Merci de m'avoir accompagné et d'assurer ma sécurité qui était aujourd'hui menacée de l'aéroport à mon domicile de Boukot. Merci pour la sympathie et l'engagement que vous m'avez toujours montré durant tout notre compagnonnage. Je voudrais avant tout exprimer ma compassion auprès des blessés, 21 blessés, jeunes blessés, dus, comme d'habitude, à une provocation de Ousmane Sonko à l'aéroport, alors qu'il savait qu'aujourd'hui j'avais déclaré une caravane de l'aéroport à Boukot. Il a lui-même initié une caravane improvisée pour, dit-il, retourner à Dakar avec ses militants pour télescoper mes militants. J'exprime ma compassion à tous les blessés. Et comme vous le savez, cette stratégie de victimisation qu'il a entamée ici devant chez moi, comme aujourd'hui, continue. Ousmane Sonko, je savais qu'il était là depuis vendredi, je devais prendre le vol vendredi. On a réuni notre staff politique, on a dit que c'était pas bien que je vienne pour éviter toute provocation. On lui laisse finir son meeting samedi et qu'on vienne. Amitamba avait organisé son meeting le samedi. On a dû le décaler à dimanche en voulant éviter la confrontation, en voulant éviter la violence. Puisque comme je l'ai dit, Ousmane Sonko, c'est mon frère de sang, c'est mon frère de beaucoup. Nous n'avons pas le droit, lui et moi qui avons un pacte de des jeunes qui n'ont pas le même pacte que nous, sans te tuer. C'est pas à la hauteur de notre engagement pour le Sénégal. C'est pas à la hauteur de notre engagement pour notre cher Casamance. C'est pas à la hauteur de nos familles respectives. Ousmane Sonko devrait savoir que la politique, c'est pas la guerre. Nous sommes des frères. Et nous le resterons, quel que soit d'ici politique demain. Comme vous le savez, après l'annonce des différentes investitures, je suis venu ici aujourd'hui, dimanche. J'ai vu toute cette population. Je suis rassuré. En vous voyant ainsi mobilisé et déterminé, je sais que notre victoire est déjà assurée. Le président de la République, comme vous le savez, a signé un pacte avec la Casamance qu'il a toujours porté au rang de ses priorités. Les retombées de ce pacte sont très visibles en termes d'infrastructures, de désenclavement, de mobilité, de financement de projets structurants, comme l'agropole, le positionnement des fils de la Casamance au sein de l'appareil de l'État, et surtout, je l'ai rappelé tantôt, les efforts consentis pour retrouver la paix en Casamance, qui est aujourd'hui menacée par une stratégie politique de victimisation. Ousmane Sonko, stop. La Casamance ne mérite pas cela. Nous ne méritons pas cela. Nos parents de Bessir ne méritent pas que deux de leurs fils s'entretuent. Ousmane Sonko, stop.
la jeunesse casamassaise qui a de l'espoir sur deux de ces jeunes du même âge qui doivent demain occuper les grandes fonctions de l'État du Sénégal ne méritent pas cela. Il faut stopper cela. Il faut qu'on arrive, toi et moi, à savoir que Ziguinchor nous appartient ensemble. La Casamance, on la partage. On doit être ensemble, dans la paix, même si on a des divergences profondes. Ousmane Sonko, stop. La victimisation par tous les moyens au prix de vie, au prix de blessés, partout au Sénégal, pendant les événements du 8 mars. Aujourd'hui à Ziguinchor, avant-hier, devant chez moi, aujourd'hui, alors que je devais être là depuis samedi, tout le monde était là. J'étais convoqué par le tonton Robert hier à une réunion de Beno Bokayakar. J'ai décliné la réunion parce que vous étiez là. Je ne voulais pas des heures. Ousmane Sonko, stop. Je ne doute pas un seul instant, chère population de la Casamance, en particulier de Ziguinchor, que le moment venu vous donnerez une majorité confortable à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour garantir l'émergence de notre terroir. Je sais que nous vaincrons au nom de l'amour que nous avons pour notre terroir. Je sais que nous vaincrons au nom du président de la République Macky Sall qui a fait ce qu'aucun président de la République du Sénégal n'a fait pour la Casamance. Je sais que nous vaincrons au nom des responsabilités qui sont les miennes et de la haute confiance placée en ma personne au sein de l'État et comme coordonnateur de la campagne de la majorité présidentielle dans la région de Ziguinchor. Je sais que nous vaincrons, je suis et je serai à vos côtés et qu'ensemble pour se lever des montagnes et c'est possible. Mais notre devoir envers la Casamance restera toujours inaccompli et incomplet tant que le possible ne sera pas fait. C'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs du Beno Bokayakar et au-delà de la majorité présidentielle et de l'UCS à s'unir autour de l'essentiel pour Ziguinchor et pour l'avenir de nos enfants. Pour ma part, tout ce que j'ai promis de faire, je le ferai par la grâce d'Allah, quelle que soit ma posture locale. Je le ferai avec vous. Je n'ai pas l'intention de diminuer d'un seul degré mon engagement et mon ardeur à faire triompher le camp présidentiel. Je me suis toujours battu pour le mieux-être de nos populations et de la jeunesse et des femmes. C'est ce qui a permis le soutien constant. Ceci a été permis par le soutien constant de M. le Président de la République. Ce qui le motive, c'est votre engagement et votre détermination, votre confiance et le travail de terrain que vous avez patiemment effectué depuis plusieurs années et qui vont porter le fruit au soir du 23 janvier prochain. Tout le monde est d'accord sur l'impérieuse nécessité de protéger notre Casamance contre une certaine catégorie de politiciens, d'aventuriers politiques sans projet de ville et qui veulent prendre en otage notre destin pour faire, comme ils le disent eux-mêmes, des essais et des expérimentations politiques vouées d'avance à l'échec. Ziguinchor ne saurait être un terrain d'expérimentation pour politiciens sans expérience au sein de l'État, pour des politiciens qui veulent amener le chaos. Tous les jours, j'ai dit à mes jeunes, je crois qu'on devrait changer de stratégie parce que
La stratégie d'Ousmane Sonko, c'est la victimisation, c'est la provocation. Il sait que c'est la violence. Il sait que quand deux cortèges de jeunes se rencontrent alors qu'il n'a pas une autorisation, alors que nous avons l'autorisation des autorités administratives, il sait que ça peut déborder. Et il l'a fait avec des gourdins. Heureusement que cette fois-ci, nous avons pris les devants. Nous avons pris les devants avec les journalistes qui ont filmé les armes que son équipe de jeunes a amenées, soi-disant pour faire vengeance. À la veille de ces prochaines élections locales, nous n'avons plus droit à l'erreur. La meilleure façon de plomber le développement de notre région, c'est de confier son sort à une opposition en conflit permanent et radical avec les pouvoirs publics. Les mairies et les départements sont des prolongements de l'action gouvernementale, sont des démembrements de l'État. Les prochaines élections locales mettront les électeurs face à deux choix possibles. Ils devront se choisir entre l'aventurisme politique et l'amateurisme encadré par Ousmane Sonko, ou au contraire, opter en faveur du progrès, du projet de construire notre Bulsigenchor, de construire notre région. En cohérence avec les piliers du plan Sénégal émergent du gouvernement du Sénégal, qui a déjà posé suffisamment d'actes pour montrer sa disponibilité à accompagner le développement de notre commune et de notre département et de notre région. Je compte sur vous pour expliquer aux populations les véritables enjeux des prochaines élections locales, qui voient des leaders jadis aux ambitions nationales se retrousser les manches pour venir se battre sur le terrain local, contre ceux-là qui taxaient il y a quelques jours de politiciens mineurs aux ambitions locales. Maintenant, il est revenu à sa véritable dimension. Je lance un appel vibrant à l'ensemble des membres de la coalition Benobo-Kéyakar, en leur demandant de faire preuve d'esprit de dépassement, d'ingéniosité pour aller à l'essentiel, qui est de faire triompher la coalition pour protéger la Casamance du chaos, pour protéger la Casamance de l'insécurité, de l'instabilité, pour garantir son développement. À vous, fils et filles et fils de Ziguinchor, je vous demande d'unir vos efforts comme un seul homme pour mettre enfin notre ville sur les lampes de l'émergence. Je voudrais par la même occasion lancer un appel solennel à mon grand frère de Cabrousse, lui qui est de Nialo par sa grand-mère maternelle. Moi-même qui suis de Kadiakaï et de Mossor par ma grand-mère maternelle. Je veux nommer Abdoulaye Valdé. En lui demandant de revenir à la maison du chef de l'État, à la maison du progrès, à la maison de l'espérance. La Casamance a besoin de son fils Abdoulaye Valdé aux côtés du président de la République. Ousmane Sonko, en déclarant sa candidature à la mairie de Ziguinchor, a posé un acte risqué. Qu'il sache que même si Doudouka n'est pas candidat à la mairie de Ziguinchor, Doudouka est là, encore là et toujours là. Doudouka est là pour revendiquer le terroir, ce même terroir qu'il prétend être sa propriété. Pour justifier sa candidature, qu'il a fait pour capitaliser ce qui est déjà acquis. Il se trompe lourdement. En tant que fils authentique de la Casamance, qu'il tire ses racines casamanceaise de Ziguinchor, ici à Bukot, la maison de mon arrière-grand-mère. De Cabrousse, je le disais tantôt, du Kassa, par Diaken, Kenyout et Moulon, du Kalounaï, Dilakoum,
de Adéane, de Boulogne, du Clou, que nous partageons, lui et moi. Merci. Je n'entends pas lui céder le moindre sentiment, car le terrain pourvu que tout se passe. Pourvu que tout se passe dans un esprit démocratique, sans violence et provocation inutile. Sans violence et provocation inutile. La Casamance ne mérite pas cela. Les jeunes qui sont avec nous ne méritent pas d'être blessés. Les jeunes ne le méritent pas. Oui, je voudrais vous rassurer. Par mon métissage, Diola, je l'ai dit tantôt, Peul du Fouta Diallo, Poulard du Ndoukoumane Siwel, Poulard de Agnam Siwel. Je dois être le garant de l'équilibre de cette belle région si accueillante, si cosmopolite, multiculturelle, multiethnique. Je vous le promets, je serai le garant de cette stabilité. Je serai le garant de cette stabilité pendant la campagne, en évitant soigneusement le candidat Ousmane Sonko. Les jours qu'il fera des manifestations, je demanderai en tant que directeur de campagne de ne faire aucune manifestation au bord de là où Ousmane Sonko va passer. Je voudrais que nous concertons pour définir ensemble désormais les itinéraires, pour définir ensemble désormais les lieux de rencontre pour discuter, pour que qu'il n'y ait plus ces provocations inutiles, ces blessés inutiles. Nous ne méritons pas cela. Nous devons nous élever. Le pouvoir, ce n'est pas par tous les moyens. On n'a pas le droit de conquérir le pouvoir par tous les moyens. Monsieur Ousmane Sonko. J'en serai le garant, je vous promets, chère population de Ziguinchor et chère population de la Casamance. Alors, maintenant que le président de la République a choisi, je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer que le président de la République n'a fait aucun choix sans me consulter. Je voudrais vous rassurer que le président de la République, compte tenu des chances de victoire, a fait un choix qui me semble un choix pertinent. C'est pour cela qu'il a décidé de me confier la direction de campagne dans toute la région de Ziguinchor. Et donc, Amitama, M. Sané, Mme Khadindiaï, responsable de Foi Nouvelle Femme, Awa Bakou, Mariama Kamara, Mariama Diallo, Hassan Badji, tous les responsables qui ont parlé dans le sort dans la presse pour demander ma candidature. Je voudrais leur dire que c'est un acte dépassé. Le président de la République, je l'ai dit tantôt, a des informations que nous n'avons pas. Le président de la République a des informations que nous ne n'avons pas. Et la Casamance, on doit d'abord préserver sa stabilité. Imaginez-vous, monsieur, que Ousmane Sonko est candidat et que moi je suis candidat ici. Il y aura des confrontations tous les jours. La Casamance ne mérite pas cela. J'adore Ziguinchor. Je ne peux pas permettre de mettre Ziguinchor à couvert. Donc nous allons aller tranquillement dans les maisons expliquer le pourquoi du choix du président Trump. Expliquer pourquoi on ne peut pas laisser notre ville sous forme de chaos.
Et d'ailleurs, cette stratégie utilisée par le PASTEF local pour se victimiser, pour diaboliser soi-disant Doudouka, qui est connu comme un homme de paix, qui est connu pour son sourire charmant. Toujours charmant. C'est une stratégie électorale. Mais ça en dit long. Si Ousmane Sonko est maire de Ziguinchor, ça sera ça tous les jours. Avec Abdoulaye Balde, contre Benoît Sambou, contre Doudouka. Ça sera ça tous les jours. La Casamance ne mérite pas ça. C'est pour cela, chers amis, je vous demande de retrousser les manches, d'aller dans chaque maison, chaque foyer, de rencontrer les chefs religieux, de rencontrer les notables pour leur expliquer les enjeux des prochaines élections locales. Ne nous trompons pas d'élection. Il ne s'agit pas d'élection présidentielle. Il ne s'agit pas d'élection d'un chef de l'État. Il s'agit d'élection de maire qui doit travailler en symbiose et en synergie avec l'État. On n'a pas le droit de rater le coach. On doit accompagner le président de la République parce qu'il a beaucoup fait. Donc je voudrais, avant de finir, revenir sur deux sujets. D'abord, l'appel à Abdoulaye Balde pour qu'il revienne dans son camp. C'est ici son camp, Abdoulaye Balde. Je voudrais lancer un appel à Ousmane Sonko. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Ziguinchor. On va se télescoper. Je suis de Ziguinchor. Je viens ici tous les week-ends. Vous venez ici tous les week-ends. Forcément, on va se rencontrer à l'aéroport. Forcément, on va se rencontrer. Quand nous savons que c'est possible, il faut éviter des improvisations. Il faut l'éviter. Nous avons essayé de l'éviter, nous n'étions pas là, nous avons laissé faire votre meeting tranquillement, sans violence. Laissez-nous faire notre marche tranquillement. Vous venez prendre votre avion tranquillement. Pourquoi vous allez organiser une caravane pour aller vous accompagner vers l'aéroport sans autorisation? Ce n'est pas de votre dimension de vouloir diriger l'État sans respecter les organes de l'État. Donc, je voudrais encore rappeler que nous sommes là et nous continuerons. Et je finirai par cette note, parce que c'est cela que m'a chargé M. le Président de la République. Nous avons commencé à accompagner les femmes à travers l'ONG qui les finance, qui est un accompagnement en formation et en financement de 20 millions. Demain, nous allons accompagner 100 tailleurs de la ville de Ziguinchor. Bien 100 tailleurs de la ville de Ziguinchor et du département avec du matériel pour l'amélioration de leur productivité. La solution. Nous allons accompagner demain, moderniser 20 salons de coiffure. Quand on dit Ziguinchor, mercredi, nous allons repartir à Sindon pour livrer l'ambulance au poste de santé de Sindon. C'est cela qui nous a amenés à Ziguinchor. Ce n'est pas des combats, ce n'est pas des bagarres. Ousmane Sonko, stop. Ousmane Sonko, stop. Assalamu alaikum. Thank you.
Le déplacement.